Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision, jeudi 23 mars 2023. Mesdames et messieurs, bienvenue en direct et en exclusivité, nous recevons Espoir Mouinouka, militant de la lutte. Espoir, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Vous allez bien? Oui, la santé s'améliore petit à petit. D'accord. Alors, on commence par cette actualité. Nous avons, en tout cas, il y a eu la première prise de parole du commandant Sokolade, le nouveau commandant, le général-major Clément. Il faut préciser, en tout cas, qu'il y a eu de nouvelles orientations qui ont été données à tous les commandants de toutes les grandes unités lors de la première réunion de travail hier mercredi entre les nouveaux commandants de Sokolade et ses commandants. En tout cas, des orientations données pour mettre fin à cette aventure M23. Comment vous trouvez cela et qu'est-ce que vous attendez de la détermination du commandant Clément? En fait, pour nous, comme je l'ai dit, nous ne voulons pas danser avant la musique, mais nous voulons voir ces orientations produire les fruits. Nous ne voulons plus entendre des histoires, il y a eu remaniement, il y a eu orientation, et puis que rien ne va se produire sur le terrain. C'est que nous voulons voir l'efficacité de ces techniques et tactiques sur le terrain. Nous voulons lui voir, et nous le bénissons, il a à notre soutien, nous voulons voir comment est-ce qu'il va mettre fin à cette histoire. Et c'est ça le vœu de tout le monde, c'est ça le vœu du premier citoyen, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est ça le vœu de tous les citoyens congolais, qui sont à l'est, à l'ouest, au centre de la République. Ah. C'est quoi les nouvelles que vous avez? Non, c'est cette accalmie qui s'observe petit à petit. Parce que j'ai vu ce matin sur les comptes Twitter de l'EAC. Mais il y a, je ne sais pas si c'est une confusion, s'ils ont fait ça expressément. Et pourtant, il faut préciser que il y a d'abord l'EAC qui annonce le retrait des rebelles du M23 des sacs. Et pourtant, ce mouvement rebelle n'a jamais, en tout cas, pris le contrôle de cette cité depuis le début des affrontements. Il faut préciser ça, qui est situé, en tout cas, à environ 27 km de Goma, est toujours sous contrôle des FARDC. Mais aujourd'hui, l'EAC fait un tweet, en tout cas, c'est officiel, c'est authentique, pour dire qu'en tout cas, l'M23, voilà, ils ont dit quoi? Ils ont dit, en tout cas, que l'M23 se retire de ça que Karoba Mouchaki Nenéo Kilolio et Kibirizi est moins sûr. Alors, c'est ce qui fait susciter des réactions, c'est comprendre. Est-ce que depuis quand l'M23 en fait, ces gens, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ces gens, vous devez d'abord comprendre c'est quoi leur philosophie maintenant. Et quand on disait que ces gens sont en connivence avec les M23, personne n'a accepté. Ce qui est sûr, les M23 étaient à Kibirizi. Et il y a longtemps qu'ils n'étaient plus à Kibirizi. C'est à peine une semaine qu'ils ne sont plus à Kibirizi. Il y a longtemps qu'ils n'étaient plus à Mweso. C'est à peine aussi une semaine qu'ils n'étaient plus à Mweso, vous voyez. À Nenero, même chose. À Karuba, même chose. À Nenero, ils ont été fouettés en plein fouet par nos FARDC, vous voyez. À Karuba, ils ont été fouettés par les jeunes de Karuba, l'autodéfense, les jeunes résistants de Karuba. Alors, c'est que... Et à ça que vous vous rappelez, comment est-ce que ces terroristes cherchaient à conquérir du côté trois antennes, à ça que, et qui avaient essuyé de
des bombes de nos Sokoï, y compris même les jeunes qui passaient à terre, les Sokoï qui étaient au-dessus, vous voyez. Et puis, c'est que leur philosophie était qu'ils vont récupérer toutes ces zones, y compris Sak. Malheureusement, ils n'ont pas pu remettre Sak dans les mains de ces terroristes, M23. Et voilà, ça doit interpeller tout le monde. Et je crois qu'on doit faire large diffusion de ça pour que tout Congolais puisse comprendre que là où passent les M23, les AC en préparaient déjà. Puisque c'est inadmissible que vous puissiez dire que non, Sak était dans les mains des M23, les M23 26. C'est que c'est de la même chose que demain ils vont tweeter en disant que non, les M23 ne sont plus à Goma. Puisqu'ils n'ont jamais été à Sak. Ils n'ont jamais si foulé leurs pieds au centre de Sak. Ils étaient aux alentours de Sak, sur les montagnes qui surplombent Sak, et qui avaient été éduqués par les jeunes et les FARDC. Et ils étaient obligés de replier, mais dire qu'ils étaient à Sak, quel côté de Sak où les M23 étaient. Je crois soit qu'ils vont revoir leur tweet, ou bien ça va aider aux gens de bien comprendre quelle est la face cachée de la force inutile de l'EAC. C'est leur anniversaire, hein? Les M23 fêtent leur anniversaire. Non, c'est le 23 mars. En fait, ils disaient qu'ils vont célébrer leur 10e année, je crois. 14e. C'est depuis 2009. Effectivement, ouais. Oui. Voilà. Le match du 23 mars. Leur 10e, 14e anniversaire dans la ville de Goma. Et nous, on ne faisait que jurer devant nos ancêtres, devant le Père Créateur, que ces foutrons n'arriveront jamais dans cette ville. Tous, vous voyez, nous autres, on n'a pas pu fermer l'œil, puisque tout le monde se préparait. Qu'aussitôt entendre 4-5 coups de balle, tous les jeunes devraient se réveiller et se prendre en charge. Heureusement, ces foutrons, peut-être qu'ils ont, ils ne sont pas de conseil, mais ils ont eu peur de fouler leurs pieds dans cette ville. Sinon, ils pouvaient recevoir un coup inoubliable dans leur histoire. Il y a les mots qu'on lit déjà sur les réseaux sociaux, où certains jeunes demandent où aura la fête. Comment les cadeaux vont leur parvenir, mais c'était drôle. Oui, c'est pas drôle, c'est un peu humoriste, mais ouais. Aussi nous ne faisons que leur hiwe, puisqu'ils disaient que non, nous allons célébrer dans cette ville. Ils nous menaçaient qu'à partir du 23, nous ne serons plus dans cette ville. Mais nous sommes ici, chez nous. Mais attends, ils vont manger aussi les gâteaux. Ils vont manger les gâteaux en provenance d'où? En provenance d'où? Et nous appelons les jeunes partout où vous allez voir ces terroristes se regrouper de A4, barrez-les. Oh. Effectivement, il faut les barrer. Mais pourquoi nous sommes chez nous, nous devons défendre l'intégrité du territoire national. Nous n'avons pas le choix. Ces gens, on leur avait octroyé une clémence de les laisser à Sabinho. À Tchanzu là-bas, mais comme ils sont à Nyamulagira, là où il y a les volcans et les gorilles qui sont leurs amis, leurs voisins, ils ne sont que des sylvestres. Et malheureusement, ces gens, ils ont voulu extrapoler. Ils ne giraient que prendre cette ville. Ils ont échoué à prendre la ville. Et partout là où ils sont, avant-hier, vous avez vu ce que les jeunes ont fait. Les jeunes sont partis saboter à Rugari. Et après Rugari, nous irons encore saboter une autre partie. Pas même un souhait. Bon, peut-être qu'il faut le souhaiter la prison ou bien la mort. Moi, je ne vois pas comment. C'est l'anniversaire, moi. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui a violé ma sœur, quelqu'un qui a violé nos petites sœurs, quelqu'un qui a volé nos biens, quelqu'un qui a ôté la vie de nos compatriotes. On ne peut que le souhaiter un bon chemin pour la prison. Sarkozy à Kinshasa. Il va rencontrer, en tout cas, il faut dire, Sarkozy qui est un ancien président français, il est arrivé hier soir à Kinshasa. Et en tout cas, il est prévu une rencontre d'ailleurs avec le chef de l'État. Hein. Mais peu avant son arrivée, il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux, mais des rumeurs qui ont été vite démenties par la présidence. Les rumeurs faisaient état, disaient non, voilà. Sarkozy vient à Kinshasa pour essayer un peu de faciliter, décrypter, la tension qui est entre Kinshasa et Kigali. Il y a la présidence qui a démenti cette information et qui a confirmé que Sarkozy vient à Kinshasa dans une. Donc c'est une visite privée en fait. Pour vous, l'arrivée de Sarkozy à Kinshasa, la présence de Sarkozy à Kinshasa.
Pour nous, c'est un non-événement. Et d'ailleurs, nous sommes parmi les anti-français. Vous avez vu comment est-ce que nous avions brûlé leur pays à travers leur symbole, leur drapeau. C'est que sa présence ici, chez nous, n'a rien à foutre avec ce que nous vivons. Et est-ce que les gens oublient la mainmise de M. Sarkozy dans ce que vivent aujourd'hui les Africains? C'est que pour nous, c'est une personne d'ailleurs qui devrait être déclarée non grata ici chez nous. Mais comme la politique a ses caprices, et vous savez toujours les caprices de la politique, sont un peu mesquins comme ça là. Mais dire que non, il est venu pour essayer de rapprocher Kigali à Kinshasa, pour nous, ça ne nous engage pas. Nous autres, nous ne voulons pas que cette guerre puisse finir par le dialogue. Nous voulons que cette guerre puisse finir par la guerre. Que celui qui est plus fort sera respecté par les plus moindres. C'est assez. Peut-être que Sarkozy va dire à Kigali, retirer tes troupes, puisque oui, il faut qu'on... Non, il n'est plus au pouvoir pour... Non, il peut... Il n'a plus d'influence en Afrique. Il peut toujours le faire. Avec tout ce qu'on... C'est eux qui ont transformé Kagame en monstre. C'est Sarkozy. Oh. Vous voyez, c'est Sarkozy. Après que Sarkozy ait détruit notre bon pays appartenant à nos frères libyens, eh bien, ils ont fabriqué Kagame. Et voilà aujourd'hui ce que vive la région des Grands Lacs. Puisqu'ils ont compris, si on laissait l'Afrique du Nord se développer et l'Afrique de l'Est se développer, c'est que nous allons perdre, puisque la RDC, c'est un pot qui relie l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, y compris même du Nord. Alors, si on laisse la paix entre ces deux pôles, ça veut dire qu'on va perdre notre responsabilité ou bien notre influence. C'est comme ça. Dans la région des Grands Lacs, ils ont créé un Hitler africain, M. Kagame, et ils ont détruit au niveau du Nord, ils ont détruit la Libye. D'accord. Chaque fois qu'un Congolais meurt, chaque fois qu'une Congolaise est violée, ou pour toute violence, de quelle nature que soit, toute l'Afrique gémit, pleure, et souffre. Il est temps maintenant que ceci cesse, a déclaré l'ambassadeur du Burundi à l'Union africaine et chef de la délégation, M. Willy Nyamitwe. Parce qu'il faut préciser, la délégation de l'Union africaine est arrivée hier à Goma. Elle a rencontré le gouverneur avant de visiter également les cas de déplacés. Comment vous suivez ce... Bon, je crois qu'il a raison, mais nous devons aussi comprendre. Quelquefois, nous devons éviter aussi de pernicher du jour au jour. Oui. Ça, c'est l'Union africaine. Effectivement, non. L'Union africaine ne travaille pas pour les Africains. Ça, vous devez mettre en tête. L'Union africaine est financée par l'Union européenne. Oh. Et l'Union européenne ne peut que suivre les ordres de l'espace Schengen, vous voyez. Alors, c'est que ce qu'il a dit, c'est tout à fait normal, mais ça doit nous interpeller. Je crois qu'il n'a pas l'âge de moins de 30 ans, vous voyez. Ce qu'il a vécu, c'est qu'on a... Lui, il a déjà vécu ce que nous n'avons pas encore vécu. C'est à eux de prendre des mesures comme nos parents, c'est à eux de prendre des mesures comme nos grands frères. Mais c'est ridicule lorsque nous, les jeunes, nous commençons à comprendre la question de telle ou de telle autre manière dont eux n'avaient pas pris conscience. Mais quand même, nous félicitons ces propos, puisque il commence à se vêtir de notre peau, il commence à comprendre les dangers, c'est quoi. Mais les sérieux problèmes, qu'ils comprennent ou pas, ils sont dans les mains des impérialistes. Et l'Union européenne, c'est financé par l'Union africaine, c'est financé par l'Union européenne. Dans dépit de tout ce que nous vivons comme agression, l'Union africaine n'a jamais condamné le Rwanda. L'Union africaine n'a jamais pris des mesures contre le Rwanda, simplement puisqu'ils reçoivent des ordres de la France, ils reçoivent des ordres des États-Unis, ils reçoivent des ordres de l'Australie, du Canada. Et c'est une institution africaine, monsieur. Non, c'est pas... Lorsque vous êtes... Prenons l'exemple de la CENI. La CENI se déclare une commission indépendante. Or, la CENI est financée par le gouvernement. Et c'est ça le cas. C'est que la CENI ne peut jamais être indépendante, dans le sens où c'est financé par le gouvernement. Et c'est dans le même cas que l'Union, que cette maudite Union africaine. C'est financé par l'Union européenne. Cela veut dire la main qui donne et la main qui reçoive. Non, ça ne demande pas de faire trop de calculs pour nous dire que non, c'est une institution africaine. Ça devrait être africaine si c'était financé 100% par nous, les Africains. Et pourquoi les Africains les font ? Non, nous ne manquons pas les moyens, mais nous sommes des démagogues. Vous voyez, nous ne sommes que des égoïstes. Et vous pouvez voir les milliards et les millions que les présidents africains détiennent.
Mais pourquoi ils ne peuvent pas financer eux-mêmes leur institution? Il ne faut qu'attendre que l'Union européenne puisse nous aider. Ça, c'est à dormir la RDC. Okay. Non, l'Afrique en général, non. Lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle de la RDC. Ça, c'est faire dormir l'Afrique en général. Nous voulons les dirigeants qui ont déjà pris conscience. Et si nos dirigeants prenaient conscience, on pouvait régler nos problèmes nous-mêmes à l'africaine. Et on ne pouvait pas voir cette tension qui existe aujourd'hui entre Kigali et Kinshasa, entre Kigali et le Burundi. Parce qu'il faut comprendre, dans la région des Grands Lacs, les pays les plus conflictuels, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Comment ça? Et nos autorités africaines, d'une manière générale, ils croisent toujours les bras au lieu de recadrer ces moustiques qui veulent troubler. Alors, on parle de ces propos aussi de M. Gilles Paloukou, ministre national de l'industrie et ancien gouverneur du Nord Kivu pendant plus de 12 ans. Il a dit ceci, je cite, « Si la guerre se termine, il y aura une chute vertigineuse de 1,7 million de dollars dans l'économie du Rwanda. » Il dit vrai? Effectivement, il a raison. Vous savez, cette guerre a beaucoup de facettes. Premièrement, il faut comprendre, c'est une guerre désir, c'est une guerre à caractère économique, et c'est une guerre d'occupation ou une guerre, une guerre d'occupation étrangère. Mais il faut comprendre, dans la guerre d'occupation étrangère, il y a beaucoup de calculs qui se jouent. Lorsque votre territoire est déjà occupé par les étrangers, tout ce que vous avez comme ressources sur ce territoire ne doit que profiter au pays auteur de cette agression. Et lorsque ça profite au pays auteur de l'agression, ça devient une guerre aussi à caractère économique. Puisque vos entreprises seront étouffées, et lorsque les entreprises seront étouffées, leurs entreprises vont produire. Et c'est ça la facette de cette guerre dont les gens ne veulent pas voir. Aujourd'hui, regardez, au niveau de Kishishe, il y a le pyrochlore qui est exploité d'une manière indirecte par ces terroristes. Et qui en profite, c'est le Rwanda, puisque c'est l'unique couloir, c'est l'unique chemin, couloir d'évacuation de leurs produits vers les pays occidentaux. Alors, et lorsqu'ils profitent de tous ces millions au détriment de nous Congolais, c'est sur le plan minéral seulement, sur le plan de nos minerais seulement, ou bien pierres précieuses, ou bien matières premières. Et ils profitent des millions et des millions. À part ça, il y a aussi, ce qu'ils profitent à travers les minerais qu'ils volent ici chez nous, il y a aussi aujourd'hui les industries qui fonctionnent très bien, plus que nos industries. Regardez aujourd'hui, il y a l'eau. Nyangé, que nous sommes encore en train de voir ici dans cette ville sionnée, or ça a commencé déjà à cesser. Il y a aussi Digi. À l'époque où la société Prémédis Arutsuru fonctionnait très bien, on ne consommait plus l'eau du Rwanda. C'est hier que j'ai vu encore l'eau de l'Ouganda, Rwenzori. Oui. Voilà. Alors, c'est qu'ils profitent à travers toutes ces manœuvres-là. Mais si la guerre parvenait à finir, je crois que nos autorités, à cette guerre, nous a beaucoup enseigné, tout cela a déjà pris conscience, on pouvait aussi accélérer dans les secteurs industriels. On pouvait aussi accélérer directement avec la société Prémédis, s'il faut subventionner ou pas. On pouvait aussi accélérer, soit même dans la construction des routes de dessertes agricoles. Et là, facilement, personne ne va encore s'improvisionner des produits rwandais ou bien les biens qui quittent au Rwanda, voyez-vous. Et cela, ça peut créer une limite à leur économie, et cela va causer une chute libre de leur économie. Et si on parvenait à pacifier la région est de la RDC, c'est fini pour les Rwandais. C'est fini pour les Rwandais. Mais les Rwandais aussi ont des ressources. Non, comme quoi? Non, les Rwandais, c'est un pays pauvre. C'est un pays pauvre sur tous les plans. Quel pays est pauvre entre la RDC et les Rwandais? Non, c'est les Rwandais. Nous avons une pauvreté seulement des personnes qui ne veulent pas comprendre. Aujourd'hui, on parle d'un pays émergent. Non, ce n'est pas un pays émergent. Émergent dans quel sens? Dans le sens où votre économie est financée à 80%. Non, c'est là. Ça, c'est quelle émergence? Non, il n'y a rien d'émergence. C'est un pays basé sur l'économie d'aide. C'est que ces partenaires qui ne font qu'aider les Rwandais, seulement puisque les Rwandais sont experts en criminalité, puisque les Rwandais sont experts à envahir les autres, si demain ils parvenaient à décider, nous ne voulons plus
t'appuyer. Mais c'est fini. C'est fini. Il y aura quoi? Catastrophe? Non, plus que catastrophe. Ah. Mais vous savez, nous, on ne peut pas vouloir qu'au Rwanda qui est catastrophe. Mm-hmm. Puisqu'ils vont encore fuir ici chez nous. Vous voyez. C'est pourquoi nous... Souhaiter que le bonheur. C'est pourquoi nous, les Congolais, nous ne faisons que souhaiter bonheur dans la région des Grands Lacs en général. Parce que ce sont des pays minuscules. Ce sont des pays minuscules. Si chez eux parvenait à avoir catastrophe, ils vont tous se déverser ici. Vous avez vu ceux-là qui ont fui au Burundi, se sont installés au site Kivu à Lucenda. Mm-hmm. Puisque chez eux, il n'y a pas aussi à manger. Vous voyez. Donc le Congo, c'est un paradis. Non, nous, on peut nourrir l'Afrique et prendre l'Europe et les États-Unis. Oh. Je vous dis. C'est qu'on peut nourrir les trois continents qui existent. Si tout simplement les gens acceptaient que nous puissions avoir la paix chez nous. Le peu de blé que vous voyez produire en Ukraine, mais nous on peut produire au-delà de ça si on avait la paix. Et allez-y voir notre plaine ici de Ruzizi. Imaginez si on exploitait notre plaine là-bas. Allez-y voir dans les hauts plateaux là-bas, si on exploitait les hauts plateaux, si c'est manipulé, n'acceptait pas d'être manipulé par les Rwandais. Ah. Je vous dis, le Congo est à mesure en tout, pour tout et surtout. Ce qui nous manque, c'est la prise de la conscience nationale. Les gens préfèrent, lorsque on a mis autant dans l'agriculture, toi ministre du secteur, tu détournes la région. Et personne ne va demander. Et quand on demande, vous allez dire non, on a exécuté à 80%. Or, vous voyez, partout au monde, dans tout secteur qui aide les pays à se développer, il y a l'agriculture. Mais chez nous, si on demande aux gens... Non, on a un ministre, mais celui-là de l'île de mais qui ne fait absolument rien. Dis-moi, qu'est-ce qui... Non, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il a été ministre? Il est de Massissi, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Si c'est Barianze, c'est Bariki. Voilà. J'oublie même son nom. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-nous, est-ce que si... En fait, nous interpellons nos députés aussi. Peut-être qu'ils ne savent pas leur mission, c'est quoi. Mais quand même, lorsque... Oui, j'ai vu un ministre d'Ouvira qui commence quand même à demander. Dans ce secteur, il y avait eu autant d'argent, c'est parti où? Nos ministres, nos députés, c'est comme ça qu'on fait le contrôle du gouvernement. Il faut demander. Dans tel budget, on avait disponibilisé autant de millions pour ce secteur. Mm-hmm. Mais cet argent a fait quoi? Il faut demander ça. Mais nos députés ne font absolument rien. Mais nous nous sommes dit, nous allons revoir notre façon aussi de travailler. Parce que ça va aider aussi les chefs de l'État, comme on a compris que le Premier ministre aussi, il n'est pas dans ses histoires. Il est simplement, il touche son 300 000 le mois. Comme il a pris du poids, il va partir en Europe pour essayer de faire les bons saunas. En fait, de diminuer la graisse et puis il revient. Fait de cet mais nous appelons toujours là. Nos compatriotes, partout où vous êtes, il faut voir dans tel secteur, tel ministre a fait ça, et dans tel secteur, tel ministre n'a pas réalisé d'accord. Ça. Et nous demandons aux gens, tout celui qui peut avoir les budgets annuels de la RDC, de la manière dont c'est détaillé, envoyez-nous ça. Partager ça massivement aux gens. Pour ne pas dire aux gens sensibiliser. Que. Oui, effectivement. Pour ne pas dire aux gens que non, c'est Tshisekedi, celle qui a échoué hors, c'est ministre fille de tel parti, c'est ministre fille de la Mouka, c'est ministre fille de l'INC. Il faut voir qu'est-ce que ces gens ont fait avec notre argent. On ne peut pas accepter. Il ne faut pas coller les chèques au chef de l'État. Non, on ne peut pas accepter que quelqu'un, les personnes à qui on pensait qu'ils vont faire mieux pour ce pays, c'est eux qui vont maintenant détruire. Et demain, vous allez dire non, c'est Tshisekedi seul. Non, tous nous avions contribué pour les. On a contribué à l'échec. Si l'échec, donc c'est pour tout citoyen congolais. Ah. C'est pour tout citoyen. Mais toi, tu n'es pas au commun. Effectivement, mais aussi j'ai ma part de responsabilité. Lorsque je vois quelqu'un voler et croiser les bras, c'est ma part de responsabilité. Non, ils ne font pas voler. Mm-hmm. Il faut dénoncer. C'est comme ces voyous jeunes que vous voyez aujourd'hui se réveiller, libérer Mangatutu. Ah bon? Ça, c'est une malédiction. Ce sont des jeunes maudits à 100%. C'est ça la part de responsabilité. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a commis des crimes au pays, mais c'est toi qui vas se réveiller demain, libérer. C'est une malédiction. Merci. Merci beaucoup. Dans les émissions précédentes, je vous appelais honorable, pasteur, daddy, je ne sais pas, excellence.
Aujourd'hui, je vous appelle professeur. Merci, professeur. Merci. Merci d'avoir été là. Je parle la qualité d'un professeur. Mais tu as été comme un Jean-Baptiste qui prêchait dans les déserts. Non, il faut. C'est ça la responsabilité dont tout citoyen congolais doit avoir. Et comprendre quelle est ma part de responsabilité. Merci beaucoup. C'est là qui passe le temps entre. On a dépassé les minutes. Bon, d'accord, je crois. À la prochaine. C'est un grand débat. Oui. Et je crois qu'à la prochaine, on va approfondir. Merci d'avoir été là ce matin. Merci pour l'invitation. Mesdames et messieurs, je sais qu'il y a les gens qui nous suivent qui ne veulent pas qu'on mette fait à l'interview, mais il faut savoir, ça c'est les médias, et les médias ont un programme et des principes, donc voilà, je sais les gens qui suivent tes interventions, ils apprécient, ils aiment, et quand nous arrivons comme ça vers la fin, pourtant nous avons que 20 minutes, donc c'est là en fait le règlement, mais quand même, on va voir comment si peut-être prochainement on peut aller au-delà, soit enregistrer 30, 40, 50, ça dépend. Merci Espoir d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Nous disons ceux-là qui veulent nous donner des orientations, des conseils. Nos coordonnées sont là et facilement ils peuvent nous contacter pour nous orienter. Zéro combien. Nous sommes sur le plus 243 9 90 66 42 08. Merci. Merci.